you Bienvenue à notre étude du soir de la semaine. Nous allons prendre le temps de nous poser avant de commencer à partager, à réfléchir, à nous interroger sur ce thème qui nous réunit ce soir, et à euh, finalement à chercher à y voir un peu plus clair, à comprendre ce dont il s'agit. Ce soir, nous allons euh, prendre comme support d'étude l'évangile selon le spiritisme. Nous en sommes donc au chapitre 11, aimer son prochain comme soi-même, à l'item 11, intitulé l'égoïsme. Alors, avant de commencer euh, nos, notre étude et nos partages, nous allons prendre le temps d'élever nos pensées afin d'être totalement présent ici à ce moment. Donc la prière, c'est une pensée dirigée vers un objectif déterminé. Donc on va faire en sorte de diriger nos pensées pour être totalement ici présent à ce moment. Nous demandons l'autorisation à Dieu de réaliser ce moment d'étude et de réflexion, de compréhension avec le concours des bons esprits. Puissions-nous être en paix afin de profiter au maximum de ces différentes réflexions, partages et interactions. Demandons à nos guides de bien vouloir nous inviter à écouter et à accepter ces différentes interrogations partagées ce soir pour mieux comprendre notre vraie nature, nos habitudes et surtout ce chemin que nous pouvons emprunter pour nous améliorer. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. Bien. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, qui sont déjà avec nous sur le chat. Nous avons Fatih qui nous dit bonsoir. Et nous avons d'autres personnes ici qui nous disent aussi bonsoir à tous. Alors, nous allons bien sûr euh, avoir la possibilité d'interagir ici euh, directement avec euh, les personnes qui sont sur notre plateforme, hein, qui prendront euh, la parole, et avec vous tous qui êtes sur le chat. Euh, vous pouvez bien sûr mettre un petit message euh, et nous prendrons le temps d'échanger ainsi. Euh, ce soir, c'est donc un passage... Qui va aborder le thème de l'égoïsme. Et pas très long. On va prendre le temps de, de le, le lire et de le comprendre. Commençons de suite. Et avant de commencer, je vais vous indiquer que vous pouvez. Euh, retrouver l'ensemble de nos activités ici à cette adresse que je fais défiler euh, à l'écran actuellement. Donc c'est le programme du mois de janvier. mrspirit.com slash act. Donc mrspirit.com baroblique act. Vous allez retrouver des nouveautés. Euh, un... Un programme donc avec des études, euh, des conférences euh, le dimanche soir, et puis une nouveauté. Euh, je vous laisse découvrir. Ça sera ce samedi midi, et nous aurons l'occasion d'en profiter tout au long du mois de janvier et les suivants. Voilà. Euh, vous avez aussi bien sûr la possibilité de nous rejoindre pour les euh, prières ou de le faire de votre côté. Et euh, les textes de prière sont à votre disposition, les intentions de prière aussi. Voilà. Oui. Ah oui, ok, attends. Euh... Effectivement, il manque, il manque un canal. Bon, euh... voilà, je peux plus rien faire. Bah, je le mettrai. Donc, c'est sur, euh, c'est sur Facebook. <laughs> je me disais, il y a, il y a un peu moins de monde, donc je mettrai à jour euh, sur Facebook la, la réunion dès que elle sera ici euh, présente. Ok. Donc, on va, on va continuer donc notre étude et partager de suite notre réflexion ici. Voilà. Alors, on va mettre ça ici de façon à ce qu'on puisse tous bien suivre. Donc, oh l'égoïsme, on y arrive. L'égoïsme. L'égoïsme, cette plaie de l'humanité, doit disparaître de la terre, dont il arrête le progrès moral. C'est au spiritisme qu'est réservée la tâche de la faire monter dans la hiérarchie des mondes l'égoïsme est donc le but vers lequel tous les vrais croyants doivent diriger leurs armes leur force leur courage je dis leur courage car il faut plus pour se vaincre soi-même que pour vaincre les autres que chacun mette donc tous ses soins à le combattre en soi car ce monstre dévorant de toutes les intelligences, cet enfant de l'orgueil est la source de toutes les misères d'ici-bas. Il est la négation de la charité. Par conséquent, le plus grand obstacle au bonheur des âmes. Alors, vous voyez ici dans ce premier paragraphe, nous avons déjà des indications très très importantes. Euh, on nous dit que la plaie de l'humanité est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est finalement penser d'abord à soi et je dirais même plus ne penser qu'à soi, hein, qu'à ses propres intérêts. Donc, l'idée... Et de comprendre ce qu'est cet égoïsme, et de comprendre ce qu'il nous permet, bien sûr, de, de vivre et de partager, euh, et d'en voir toutes les limites. Si on réfléchit un instant, on oublie tout le travail qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, qui, est présent ici et dont nous profitons. C'est-à-dire tous ceux qui sont passés avant nous sur Terre ont créé les conditions dans lesquelles nous vivons. Ont créé ce euh, euh, monde matériel que nous connaissons ici, avec toutes ces avancées technologiques, avec euh, ces façons de penser, ces courants de pensée, avec euh, cette façon d'interagir, hein, la culture, et de vivre ensemble. Et cette vision matérielle du monde, où l'on ne voit que ce qui est ici et dont nous allons profiter, ne pensant à rien d'autre est une vision très égoïste. Je suis né au bon endroit, je profite des ressources, sans penser aux autres, sans penser à ceux qui, ont, qui me permettent, qui ont permis que je puisse être ici, à vivre dans ces conditions-là. Donc c'est une vision effectivement très restreinte et une compréhension limitée de la vie ici. Donc, si on s'affranchit de ces barrières, on va comprendre que on est tous dépendants les uns des autres et on ne peut progresser si on est tout seul. Et admettons qu'on soit dans une, sur une île déserte, hein, qu'on qu nous y ait placé dès la naissance, ben, on ne va pas faire long feu. À la naissance, l'enfant a besoin de ses parents. Il ne peut pas vivre, survivre sans ses parents, contrairement à d'autres espèces dans la nature qui sont déjà euh, dans, qui sont en fait pas déjà, mais qui sont dans des conditions différentes des nôtres. Donc soyons attentifs à ça. Cette relation à l'autre dès notre plus jeune âge montre que nous sommes ici pour avant tout créer et renforcer des liens, des liens d'amour, hein. créer cette société. Sans ces liens, sans cette interdépendance, il n'y a pas de société. Donc, la première des euh, plaies de notre société, ou une des euh, plaies de notre société, euh, est l'égoïsme. L'autre, on le verra plus tard, c'est l'indifférence. Euh, tout ça résulte de l'orgueil qui est finalement l'ennemi numéro un à anéantir en nous. Et nous avons donc euh, cette mention ici de euh, cette plaie pour qu'on puisse prendre quelques instants et réfléchir à, à ses conséquences. On n'a pas toujours ce recul euh, pour euh, se dire, bah, oui, c'est vrai. Et puis parfois, on l'a et on ne veut pas le voir, on ne veut pas l'intégrer dans notre façon de penser parce que cela signifie changer, avoir d'autres habitudes, cesser certains comportements, certaines façons de penser. Mais si on se retrouve à la place de ceux qui sont dans une position moins confortable, bah là, bizarrement, on aimerait bah, que les règles changent, hein, que ce ne soit pas toujours euh, comme ça. Hein, donc, soyons attentifs à ça. Euh, donc, il arrête le progrès moral, vous l'avez compris, parce que si on ne pense qu'à soi, il n'y a plus de progression possible. Chacun va vivre pour soi et euh, la société ré, euh, cesse d'exister. Hein. Il n'y aurait plus de, de grands projets et il n'y aurait plus de collaboration pour cela. La société commence quand justement on, on s'intéresse à l'autre. Et on nous dit ici que c'est au spiritisme de euh, faire en sorte que nous puissions progresser moralement. Que vient apporter le spiritisme à ce point de vue très égoïste justement qu'il y a d'autres repères d'autres façons de vivre d'autres façons de comprendre la vie d'interagir avec notre environnement avec les uns et les autres avec nous mêmes c'est finalement la compréhension de euh, de ce que nous sommes venus faire ici de d'où nous venons où nous allons ces questions qu'on se pose depuis euh, la nuit des temps, c'est l'occasion de comprendre que nous sommes des esprits immortels faisant l'expérience de la matière. À partir du moment où nous allons intégrer cette notion, notre regard sur le monde va changer, va s'adapter, et nos comportements aussi. Donc le spiritisme, on le dit souvent ici, a pour but essentiel, premier, l'amélioration morale de l'humanité. C'est ainsi que nous allons adopter d'autres comportements pour que nous puissions aller un peu plus loin, pour que nous puissions nous défaire de nos vieilles habitudes. Donc nous avons déjà quelques indications par rapport à cet égoïsme, donc la plaie de l'humanité, ce qui va enrayer le progrès moral et nous laisser ici dans, dans cette stagnation. C'est-à-dire que ce qu'on a euh, vécu et appris restera et euh, il n'y aura rien de nouveau. Ensuite, on nous dit qu'il est essentiel de l'anéantir. Parce que il nous faudra user de toutes nos forces, de toutes nos armes, de tout notre courage pour le faire. Et on insiste ici sur la notion de courage. Donc la notion de courage, c'est quoi Le courage, c'est lorsque nous nous mettons en chemin en vue d'une réalisation, mais dont euh, nous ne savons rien. C'est-à-dire que nous ne savons pas si l'issue sera bonne ou mauvaise. Nous ne connaissons pas l'issue. Donc on se met en chemin sans savoir ce qui nous attend réellement. Ça, c'est du courage. Si nous savons exactement ce qui va se passer, il n'y a plus de courage. Donc on va y aller par intérêt. Euh, ou pour d'autres raisons. Donc, je dirais par intérêt, d'abord, <laughs> euh, il y a à vraiment vivre avec cette notion de courage parce que nous sommes face à nous-mêmes, face à nos habitudes face à notre façon de penser. Et nous savons que souvent ces pensées nous sont nuisibles. Nos propres pensées, celles que nous nourrissons au quotidien, nous font du mal. Je suis comme si, je suis comme ça, je peux, je ne peux pas, etc. etc. Donc, on, ce dialogue intérieur peut blesser et peut nous arrêter sur ce chemin du progrès. Donc il faut du courage pour vaincre nos propres habitudes. Soit euh, on, on parle ici de ces habitudes dans notre euh, intimité, hein, cette relation avec soi-même, ce que l'on veut faire de notre vie, soit de ce collectif, hein, cette relation avec euh, les uns et les autres. Et du coup, là, on est dans la société. D'accord Donc, comprenons comment être dans ce monde. Et il faudra donc une grande détermination pour s'accepter tel que l'on est et pour chercher à s'améliorer. C'est pour ça qu'il est ici question. De courage, parce qu'il est simple de rester tel que l'on est, à faire ce que l'on sait, bien ou mal, et de ne pas progresser. il y a aussi le fait de, euh, de comprendre donc cette portée collective qui est euh, euh, ici en jeu. Hein, on nous dit que chacun mette donc tous les soins à le combattre en soi. Car ce monstre dévorant de toutes les intelligences, cet enfant de l'orgueil, est la source de toutes les misères d'ici bas. Il est la négation de la charité et par conséquent le plus grand obstacle au bonheur des hommes. Donc vous voyez ici, on parle de cette, ce vivre ensemble. Lorsqu'il y a de l'égoïsme, on vient détruire la société. On vient nier la société. Lorsqu'il y a de l'amour, du don de soi, lorsqu'il y a euh, cette notion de service pour le bien du plus grand nombre, il y a cette notion de société. Lorsqu'il y a égoïsme, on quitte cela. On prend sans jamais donner. Et on laisse ce qui n'est pas donné. On laisse parce qu'on ne peut plus l'utiliser, parce que ça ne sert plus, il n'y a plus d'intérêt pour nous. Et on a à vivre, euh, à comprendre que nous ne pouvons pas être ici seuls si on veut s'améliorer. D'accord Alors. Est-ce que quelqu'un souhaite... Ajouter quelque chose sur ce premier paragraphe Oui. 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 Il euh, euh, y a une phrase où il dit euh, Je dis euh, que chacun mette donc euh, tous ses soins à le combattre en soi. Oui. Euh, il, il ne nous dit pas de le combattre dans l'humanité ou chez l'autre, celui qui est à nos côtés dans la famille, celui qu'on regarde, on dit bon, euh, écoute, il est très égoïste. Non, il dit euh, que nous dev devons, devrons mettre toutes nos forces, tous notre, tout notre courage pour euh, se vaincre soi-même et pas pour vaincre les autres c'est ça le point le plus difficile chez nous oui c'est vrai et je te remercie d'avoir noté cela parce que c'est finalement là où la société peut grandir quand on pense à soi et à sa place dans le monde lorsqu'on pense aux devoirs que nous avons à euh, réaliser, à incarner, et que l'on cherche à s'améliorer en tout point plutôt qu'à pointer du doigt les erreurs des uns et des autres. Lorsque on, on veut que cette société progresse, on fait tout pour donner le meilleur exemple et inspirer les uns et les autres. Alors, effectivement, on vient dans un cadre très matérialiste. Alors, si quelqu'un trouve de l'or et le partage, ou que ça vient à se savoir, qu'est-ce qui se passe Il y a une ruée vers l'or. <laughs> eh bien, des exemples comme ça, on en a eu, on en a plein l'histoire plein de, de notre histoire. Hein, on en a connu différents épisodes et aujourd'hui on cherche à faire en sorte d'aller explorer euh, ce monde intérieur, cette moralité qui est aussi une composante de notre euh, vraie nature. donc effectivement, il ne s'agit pas de modifier de transformer les uns et les autres, il s'agit de se transformer soi. je dirais de se sublimer, voilà, de rendre euh, ici de donner le meilleur de soi à chaque instant. Et là, nous sommes dans le cœur de l'enseignement spirituel, au cœur même de ces instructions qui nous sont données. C'est effectivement le plus important ici. Continuons. Jésus vous a donné l'exemple de la charité et Ponce Pilate de l'égoïsme. Car lorsque le juste va parcourir les saintes stations de son martyr, Pilate se lave les mains en disant ⁇ Qu'importe !⁇ Il dit aux Juifs ⁇ Cet homme est juste pourquoi voulez-vous le crucifier et cependant il le laisse conduire au supplice donc nous avons ici dans ce second deuxième paragraphe euh, l'illustration de ce que cela signifie nous avons le pouvoir la possibilité d'améliorer la condition de l'autre. Et je ne le fais pas. Et nous ne le faisons pas. Euh, C'est cette euh, illustration avec Ponce Pilate en lien avec Jésus. Ponce Pilate était le gouverneur de cette région et pouvait à tout moment donner d'autres instructions mais ne voulant pas s'impliquer, il préfère déléguer et remettre à d'autres qui avaient d'autres intérêts la décision finale. Donc il n'y a pas plus égoïste que celui qui peut faire une différence dans la vie de l'autre et qui ne le fait pas. Pensons à toutes ces situations dans notre vie où nous pouvons faire une différence dans la vie de, de tout un chacun, de l'une ou de l'autre des personnes que nous allons croiser. Et est-ce que nous le faisons Est-ce que nous nous mettons à faire cette différence. J'ai des talents. Et ces talents peuvent faire une différence dans la vie de l'un ou de l'autre de mes frères ici-bas. Et je ne les mets pas à profit. Je ne les exprime pas. Je n'utilise pas ces talents. je fais une grande injustice au monde. Je, fais une, je me fais une grande injustice. Donc comprenons aussi ce point de vue important. Euh, continuons avec ce troisième paragraphe. C'est à cet antagonisme que la charité... Euh, pardon, c'est à cet antagonisme de la charité et de l'égoïsme, c'est à l'envahissement de cette lèpre du cœur humain que le christianisme doit de ne pas avoir encore accompli toute sa mission. C'est à vous, apôtres nouveaux de la foi et que les esprits supérieurs éclairent, qu'incombe la tâche et le devoir de s'extirper, pardon, le devoir d'extirper ce mal pour donner au christianisme toute sa force et déblayer la route des ronces qui entravent sa marche. Chasser l'égoïsme de la terre pour qu'elle puisse graviter dans l'échelle des mondes, car il est temps que l'humanité revête sa robe virile. Et pour cela, il faut d'abord le chasser de votre cœur. Emmanuel, Paris, 1861. Alors, on a ici euh, une référence à, au christianisme. Et euh, comprenons bien de quoi il s'agit. Le christianisme, vu par l'humanité par les hommes est devenue une religion. Donc elle a été façonnée par les hommes avec des lois qui ont été euh, modifiées, euh, endiguées, qui ont été euh, euh, manipulées par les hommes et c'est devenu une religion. Jésus n'est jamais venu pour construire une religion, il n'est pas venu ici pour ça. Il est venu pour nous montrer un exemple, un exemple de société, pour nous dire toi aussi, tu peux être heureux. C'est ça la bonne nouvelle qui est venue, qu'il est venu nous, nous apporter. Vous pouvez être heureux. Suivez mes pas. Accompagnez-moi. Apprenez avec moi. C'est pour ça qu'il est question ici de charité, qui est donc à l'opposé de l'égoïsme. L'égoïsme ne pense qu'à soi, ne pense pas aux autres. La charité, c'est juste le contraire. C'est le don de soi, c'est l'amour en action. On pense à l'autre. J'allais dire avant soi. Pourquoi avant soi Parce que on pense déjà beaucoup à soi. Et le but c'est pas de continuer à penser qu'à soi. J'irais c'est pas de mettre l'un avant l'autre, c'est d'être en harmonie, c'est de penser à l'un et à l'autre. Bien sûr, quand nous venons ici sur terre, nous incarner, nous venons d'abord pour nous, pour notre propre progrès, pour renforcer certains apprentissages, pour en avoir d'autres, pour partager ce qu'on a déjà appris. Et c'est comme ça que nous allons progresser jusqu'à arriver à cette perfection, pleine, totale et constante. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus à se réincarner. Il n'y a plus à penser qu'à soi, puisque nous sommes parfaits. Nous avons re re revenu à la source et nous savons tout sur toutes choses. Donc là, l'idée, c'est justement d'aider ceux qui sont encore sur le chemin. Donc la charité prend tout son sens. Et cela fait longtemps que l'égoïsme a quitté le cœur des uns et des autres qui sont dans cet état-là. Donc le christianisme a été euh, construit par les hommes, ce, cette religion, est détournée de cette euh, pensée originale que Jésus avait pour transformer ici euh, une, euh, un, un idéal au profit de certains plus que, plutôt que d'autres. Par exemple, certains euh, vont faire le bien aux chrétiens mais pas à, aux non-chrétiens ou telle religion préférera les adeptes de cette religion plutôt que d'autres on n'est pas du tout dans cet idéal de vie euh, que, euh, que vient ici euh, partager jésus nous sommes là pour comprendre que nous sommes tous frères que nous sommes tous sur le même chemin vers la perfection. Donc, ce, cette, cette, ce message ici, c'est vraiment de comprendre qu'il n'y a pas à lutter contre soi. Parce que l'égoïsme, c'est ça. On lutte contre soi, contre nous-mêmes. On s'enlise dans une situation. Qui est en notre défaveur alors que si nous allons vers l'autre nous allons comprendre bien plus que si nous restons isolés dans notre égoïsme est ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose oui oui il compare l'égoïsme à la lèpre oui. à la lèpre du cœur. Ce pas la lèpre du corps physique, c'est la lèpre du cœur. La lèpre, c'est une maladie où euh, les euh, le membres se dégradent. Elle entraîne une déformation, elle défigure la personne, la lèpre. Et la personne, elle a la perte de sens du toucher aussi. Et la lèpre du cœur, avec cette comparaison que cet esprit-là, Emmanuel, fait, c'est-à-dire la perte du sens du toucher du cœur. Donc, avec l'égoïsme, on regarde l'autre, la souffrance de l'autre, et pour nous, il n'y a pas d'importance, parce qu'il a l'être et elle nous fait perdre ce sens-là. Le cœur, n'est pas touché par la souffrance de l'autre. Voilà. Alors, c'est intéressant, effectivement, euh, de mettre en lumière cela. Qu'est-ce qui se passait à l'époque avec les lépreux? Ils étaient mis en dehors du village, tenus à distance. Ils s'isolaient. Hein, on ne voulait plus d'eux. Et donc, finalement, c'était euh, la perte de toute euh, notion de société. Hein euh, et c'est intéressant parce que, effectivement, quand on est égoïste, c'est ce qui se passe. On peut être ici parmi les uns et les autres, mais on ne vit pas en société. Donc, effectivement, cette lèpre-là nous extirpe de la société. Euh, cette insensibilité hein, du toucher, cette euh, déformation du corps physique. Le corps est rongé. Euh, donc, il y a une dégradation de l'apparence. Peut-être pour justement y faire moins attention, porter notre attention ailleurs. C'est ce qui se passe quand on est malade. La maladie est une invitation à porter notre regard à un autre endroit que celui dont nous sommes habitués. Donc, soyons attentifs à ça. Soyons conscients de notre place. Est-ce que je suis dans la société dans le monde et je contribue au, au bien du plus grand nombre ou est-ce que je m'en extrais Pensons vraiment à, à ce que nous faisons. Alors continuons. Deuxième message ici. Si les hommes s'aimaient d'un commun amour la charité serait mieux pratiquée, mais il faudrait pour cela que vous vous efforçassiez de vous débarrasser de cette cuirasse qui couvre vos cœurs, afin d'être plus sensible envers ceux qui souffrent. La rigidité tue les bons sentiments. Le Christ ne se rebutait pas. Celui qui s'adressait à lui, quel qu'il fût, n'était pas repoussé. La femme adultère, le criminel, était secouru par lui. Il ne craignait jamais que sa propre considération eût à en souffrir. Quand donc le prendrez-vous pour modèle de toutes vos actions Si la charité régnait sur la terre, le méchant n'aurait plus d'empire. Il fuirait honteux. Il se cacherait, car il se trouverait déplacé partout. C'est alors que le mal dispara disparaîtrait. Soyez bien pénétrés de ceci. Alors, on va revenir ici sur euh, ce paragraphe. Euh... il y a une notion très importante qui est euh, donnée euh, qui est illustrée ici c'est celle de la charité et on voit en fait toute la portée de celle-ci on dit si les hommes s'aimaient d'un commun amour un commun amour c'est quoi c'est finalement, de partager cet amour et non pas de le garder pour soi. C'est moi d'abord, les miens, mes proches, là où il y a un intérêt, et les autres, si j'y pense. Non, un commun amour. Donc, on travaille tous ensemble pour la même cause. La charité serait mieux pratiquée. Faut-il... Faudrait-il que cela, pour, pour cela, que vous vous efforçassiez de vous débarrasser de cette cuirasse qui couvre vos cœurs afin d'être plus sensible envers ceux qui souffrent Donc il y a une notion de, de connaître la misère humaine, de l'accepter, de l'accueillir, de la comprendre. Et enfin de la servir, hein, de faire en sorte de, de l'apaiser. Il y a une idée qui me vient à la lecture de ce paragraphe, c'est euh, diviser pour mieux régner. Je pense qu'on est exactement dans cette notion d'égoïsme, diviser pour mieux régner. Lorsque nous comprenons que nous sommes tous Bénéficiaires d'un effort commun, d'un travail dans la même direction, que nous pouvons ensemble être plus forts, aller plus loin, comprendre et effectuer bien plus de choses, il n'y a plus à revenir en arrière. Et nous sommes aujourd'hui à l'aube de cette nouvelle ère où nous allons enfin commencer à vivre avec ces repères d'amour. On ne divisera plus pour régner, mais on régnera pour unir. Il est essentiel de comprendre cela aujourd'hui, de comprendre tout l'intérêt que nous avons à participer au bien du plus grand nombre. On en bénéficiera bien plus que si on continue dans cet égoïsme. Si on prend ne serait-ce que la société aujourd'hui, effectivement, je peux me nourrir. Il suffit que je descende, que j'aille au coin de la rue et que je m'achète ce dont je veux pour satisfaire mes envies du moment. Mais on oublie tous ceux qui travaillent pour que cela se produise. Ceux qui travaillent la terre, ceux qui récoltent, ceux qui emballent ces produits, qui les transportent, qui les disposent sur ces tables, pour que nous puissions rester dans les villes et nous. Que faisons-nous pour le bien du plus grand nombre Quelle est notre contribution à la société Quelle est notre plus-value Quel est le bien que je produis Vous voyez, il y a... Donc cette première notion-là, et puis il y a cette notion de, de comprendre et d'accueillir la misère humaine. Et ça, c'est essentiel. On est dans cette charité. La charité, c'est cet amour qui est en action. C'est faire le bien. Nous venons accueillir ceux qui souffrent. Donc la souffrance apparaît lorsque on ne sait pas aimer ou lorsqu'on on se refuse on se refuse à aimer. C'est deux façons de progresser, deux façons de d'apprendre l'amour ou la souffrance. Ce sont des chemins parallèles qui vont se croiser lorsque on en a assez de souffrir. Quand nous en avons assez de souffrir, nous croisons le chemin de l'amour. Et nous pouvons à nouveau choisir un autre chemin. Donc ici, il y a cette notion de misère humaine, de cet accueil, de la compréhension de cette misère. Et il y a une notion importante, c'est qu'elle est indifférenciée. Elle est inconditionnelle. La femme adultère ou le criminel sont tous deux secourus. Peu importe ce que vous avez fait, vous êtes les bienvenus. Recevez ce dont vous avez besoin. De quoi a-t-on besoin d'amour. Nous avons besoin de bien aimer, d'aimer bien pour être aimé en retour. Mais comment apprend-on à aimer bien Comment apprend-on cela Où ça se passe Si ce n'est pas dans la famille, ça devra être ailleurs. Donc, si nous avons l'occasion de l'apprendre en famille, nous sommes déjà chanceux. Si ce n'est pas le cas, nous allons aller au-devant de ces conditions qui nous permettront d'apprendre cela et de le vivre, la société. Et ça peut être partout. Donc prenons conscience de cela. Faisons attention à cela. Parce que l'égoïsme rompt ces liens du cœur avec nos frères. Et nous nous isolons de la société. Nous nous isolons de notre propre bonheur. Soyons très attentifs au choix que nous allons faire parce que les conséquences sont bien plus nombreuses qu'on ne veut bien le croire. Donc, connaître la misère humaine, accueillir les uns et les autres et répondre à leurs besoins. Dans notre société actuelle, dite moderne, qu'est-ce qu'on nous vend Qu'est-ce qu'on nous sert Achète ce produit et tu seras heureux. On l'achète et on s'aperçoit que non. Achète cet autre produit et tu seras heureux. Et c'est une course en avant. Ici, il ne s'agit pas d'acheter, il s'agit de vivre, de faire cette expérience. Et plutôt, on avait dit que cela nous coûte d'être ainsi. Ben oui, parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'il va falloir euh, changer de façon de penser et de façon d'être en lien avec l'un ou l'autre. Surtout avec celui que l'on euh, méprisait, plutôt. Celui qui n'est pas mon égal. Donc la misère humaine, comprendre que nous sommes dans une même famille, que nous sommes tous égaux. Et là, il y a déjà un énorme pas à faire. Ensuite, il y a à comprendre que nous souffrons tous. Que nous sommes tous ici pour apprendre à aimer la souffrance l'absence d'amour ou un amour euh, malade, apprenons à aimer parfaitement, totalement, constamment. Alors je dis à aimer constamment, je ne dis pas à aimer de la même façon. Hein, on, on va apprendre à ajuster ce lien, ce rapport au monde, à l'un et à l'autre, à nous-mêmes, à Dieu. On nous dit quoi d'autre euh, Quand donc le prendrez-vous pour modèle de toutes vos actions Donc on parle ici de Jésus. Dans le livre des Esprits, on nous dit quel est l'homme le plus parfait que la Terre ait jamais porté Et la réponse est simple. Voyez Jésus. voyez jésus donc on nous invite à comprendre en quoi il est parfait pourquoi on nous indique jésus prenons le temps de nous intéresser à ce qu'il a fait on nous dit si la charité régnait sur la terre le méchant n'aurait plus d'empire divisé pour mieux régner vous voyez Donc, si aujourd'hui, tous ceux qui sont présents sur Terre commencent à se dire, je vais faire le bien, je fais le bien, à partir d'aujourd'hui, je fais le bien, je fais en sorte que mon voisin euh, puisse avoir ce dont il a besoin, je commence à m'intéresser à la misère humaine je commence à faire en sorte d'amener de, des réponses, même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Eh bien, très vite, nous serons tous à notre place. Et nous commencerons tous nos engagements pris avant de venir. Nous remplirons nos devoirs et ce monde s'améliorera. En bien très vite donc on nous dit que le méchant n'aurait plus d'empire il fuirait honteux et se cacherait et, et car il se, to, se trouverait partout déplacé Vous voyez notre place est celle de l'amour et celle où l'on fait le bien ceux qui se complaisent au mal ne sont pas à leur place parce que nous ne sommes pas des êtres voués au mal. En chacun de nous, dans notre conscience, ces repères existent. Et celui qui fait le mal sait très bien le mal qu'il se fait à lui-même. Mais il y a l'habitude. Alors, il doit faire face à ce qu'il est et lutter contre ses habitudes. Et il faut du courage. Beaucoup de courage. On continue avec cette, ce dernier paragraphe. Commencez par donner l'exemple vous-même. Soyez charitable envers tous indistinctement. Efforcez-vous de ne plus remarquer ceux qui vous regardent avec dédain et laissez à Dieu le soin de toute justice. Car chaque jour dans son royaume, il sépare le bon grain de l'ivraie. Alors, voyez ici, on a déjà <laughs> Euh, certaines, euh, certains repères qui nous sont donnés. Par où commence-t-on Par mettre en œuvre nous-mêmes cet amour, par le vivre nous-mêmes. On dit charité bien ordonnée, commence par soi-même. C'est exactement ça. Si nous-mêmes, on a du mal à aimer, si on a du mal à s'ouvrir à la société, ben pourquoi voulez-vous que la société nous aime et s'ouvre à nous On va vers qui Vers ceux qui sont ouverts, charitables, souriants, ou les autres qui se renferment, qui font tout pour détruire les uns et les autres et qui nous lancent des pierres. Donc soyons attentifs à ça, soyons conscients de ce qui nous est demandé et donnons cet exemple au monde. Donc commençons par vivre nous-mêmes ce que nous aimerions que la société nous donne et très vite on s'apercevra que c'est possible. On se sent mieux. Alors l'autre, bah, il n'est pas obligé de changer. Parce que nous aussi, on a mis du temps avant de faire ce pas. Donc, laissons-lui le temps. Et puis, il y a euh, une, une notion ici qui est reprise, qui est importante. C'est euh, être charitable envers tous indistinctement. Donc, il n'y a pas de condition pour cette charité. On le donne à tous, sans distinction. Sans condition. Tous. Et je dirais même plus, d'abord ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire tous ceux qui sont le plus égoïstes, ceux qui sont le plus en colère, ceux qui sont le plus éloignés de cette conscience. Alors il y a à le faire d'une certaine manière, d'accord Efforcez-vous de ne plus remarquer ceux qui vous regardent avec dédain et laisser le soin à Dieu de faire toute justice. Je pense à ces nombreuses querelles, conflits qui naissent, à ces procès que l'on fait pour avoir gain de cause, pour avoir justice. Peu importe, c'est passager tout ça. Quand on comprend l'aspect éphémère de notre vie ici, on n'accorde plus d'importance à ça. Et Dieu se chargera de remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà. Et le dernier paragraphe, l'égoïsme est la négation de la charité. Or, sans la charité, point de repos dans la société. Je dis plus, point de sécurité. Avec l'égoïsme et l'orgueil qui se donnent la main, ce sera toujours une course au plus adroit, une lutte d'intérêts où sont foulées aux pieds les plus saintes affections, où les liens sacrés de la famille ne sont, même, ne sont pas même respectés. Pascal, Sens, 1862. On revient ici, rappeler tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. L'égoïsme est à l'opposé de la charité. Voilà, ce sont deux chemins euh, distincts qui, qui ne, se, euh, ne se croisent pas, euh, sauf pour justement euh, apprendre l'un à l'autre. Euh, la, sans, sans la charité, Point de repos dans la société. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si chacun pense à soi, bah plus personne ne travaille pour l'autre. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire bah, Revenir aux bases, se nourrir, se loger. Ça veut dire que tout le monde va commencer à cultiver son petit terrain, devoir chercher à manger et chercher à, à survivre. Donc, c'est ça qu'on veut, revenir à l'âge de pierre Point de repos dans la société. Eh oui, on devra constamment travailler. Je vous rappelle que dans notre euh, histoire de l'humanité, bah, au tout début, on, on passait le plus clair de notre temps à chercher de quoi euh, survivre. C'était l'occupation principale, c'est se nourrir. Donc, à nous de comprendre que nous avons tous à gagner, à contribuer au bien du plus grand nombre. Il y a ensuite cet aspect point de sécurité, c'est-à-dire que on va apprendre que je cultive des, des légumes que j'ai euh, des œufs et on viendra me voler, me tuer pour avoir cela. Est-ce que c'est dans cette société que l'on veut vivre Réfléchissons bien. <laughs> Est-ce que c'est la loi du plus fort qui doit régner ou la loi de l'amour Donc il y a ici une lutte d'intérêt. Moi d'abord ou tous ensemble. On oublie ces liens du cœur. Hein J'ai pas à manger et je te prends parce que toi tu as à manger. Et je me moque de savoir si tu es de ma famille ou pas. Donc il n'y a plus cette notion de famille. Il n'y a plus ce respect de l'autre. Et on casse tous ces liens du cœur, tous ces liens qui font que nous sommes une grande famille. Voilà, je pense qu'il y a ici à, à comprendre comment vivre en société. Euh... Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose Oui, <laughs> encore une fois. Je t'en prie. Euh, dans ce paragraphe, il dit... Euh... Et pour le repos dans la société, il faut la charité. Oui. Et la charité, bien sûr, elle sera pratiquée par les hommes. C'est les hommes qui doivent la pratiquer pour le repos de toute la société. Oui. Ça me revient une histoire. Tu la connais, je crois. Je vais essayer de dire. Tu 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 vas m'aider, hein, s'il te plaît, parce que. Je ne sais pas si je vais pouvoir la dire, mais il y a une histoire où le papa travaillait. Et son enfant était là auprès de lui, il lui demandait des choses tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et le papa devrait travailler et il ne pourrait pas se dédier à son travail car l'enfant lui demandait euh, beaucoup de choses tout le temps. Euh, au bout d'un moment, Qu'est-ce qu'il a fait, le papa? Il s'est rappelé qu'il y avait un puzzle. C'est ça, comme on dit en français? Oui, un puzzle, oui. Il y avait un puzzle et avec beaucoup, beaucoup de, de, des petits de, trucs, là, pour unir, pour, de donc, pièces. Ça, ça, des pièces, voilà. Et ça, ça un temps grand pour que l'enfant puisse, euh, comment on dit en français, euh, Assembler ses puzzles, oui. c'est ça? Oui. Assembler ses puzzles. Assembler toutes les pièces, oui. Voilà. Et comme ça, il pourrait travailler tranquillement. Et il a offert ses puzzles à son fils pour qu'il puisse travailler. Et ce puzzle-là, c'était le plan du monde. C'est comme ça qu'on dit en français le, le, le plan du monde, la, 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 la carte du monde, oui. La carte du monde, c'était la carte du monde. Euh, bon. Il se mit à travailler le papa et au bout d'un quart d'heure, l'enfant revient. Et dit, voilà, papa, Il dit :« Voilà, papa, c'est déjà fait. » Il me Comment C'est pas possible ça, parce que c'est tellement difficile de assembler les pièces euh, du monde comme ça. Euh, comment tu l'as fait ?» Il a demandé à son fils euh, :« Comment tu as pu organiser ce puzzle euh, très complexe en trois quarts d'heure ?» Et l'enfant lui a dit oh, Regarde, papa, derrière ce plan, il y avait un homme. Et qu'est-ce que je fais J'ai assemblé l'homme. Et en assemblant l'homme, j'ai assemblé le monde. Euh... C'est compréhensible, ça, l'histoire C'est très clair. <laughs> oui. Oui. Voilà. Ça me revient, hein, cette histoire-là, à propos du repos de la société par la charité. La société, pour être reposée bien, dépendra de la charité de l'homme. Oui, construisons l'homme et ainsi nous construirons la société. Voilà. En nous améliorant, en faisant cet effort sur nous-mêmes, nous changeons la société. En nous améliorant, nous améliorons la société parce que nous faisons partie de la société. Et pour cela, il suffit que d'une personne, pour changer toute la société, parce que nous faisons partie de cette société. Donc si tout le monde prend le temps de s'améliorer, cette amélioration sera plus rapide à nous de comprendre ce que nous voulons. Et d'être courageux, parce qu'il faut du courage pour justement emprunter ce chemin. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole Dire euh, un mot sur le chat. Je ne vois pas de questions ou de remarques. Euh... Eh bien, on va prendre le, le temps de faire une prière de clôture et de demander cette force qui nous fait défaut aujourd'hui pour nous améliorer et créer cette société dans laquelle nous voulons vivre. Père d'amour, toi qui es juste et bon, nous te demandons de bien vouloir nous éclairer, d'éclairer nos pensées, notre cœur, pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes ce que nous avons à ajuster, à donner au monde. Apprenons ensemble à vivre selon tes lois, à mieux te connaître. Permets-nous de nous voir tels que nous sommes. et d'avoir la force de nous améliorer maintenant. Assiste-nous sur ce chemin. Permets-nous d'aller au-delà de nos propres imperfections et faiblesses. Permets-nous de vivre pleinement comme toi, selon tes règles, d'être parfait comme toi. Merci de nous avoir donné pour modèle Jésus de nous avoir permis aujourd'hui de comprendre comment être heureux. Que ces jours puissent être pour chacun d'entre nous l'occasion de nous améliorer, identifions au quotidien ces nombreuses occasions de faire le bien. Et agissons maintenant. Chaque jour. Jusqu'à être parfait. Que la paix soit dans nos cœurs. Ainsi soit-il. Merci à vous tous d'avoir pris le temps de venir. De participer ici. À cet échange, je vous invite à relire ce chapitre, à relire ce passage en particulier, et surtout à mettre en œuvre de suite ce que vous avez compris, parce que vous pouvez être heureux bien plus vite ainsi, et surtout faire d'autres personnes plus heureuses. Merci à chacun ici. Prenons le temps de méditer sur ces différents échanges. Je vous invite à passer une bonne soirée, une très bonne semaine, et surtout de mettre en œuvre ce que vous avez. dans votre cœur qui fera que ce monde sera meilleur. Merci à chacun. Bonne semaine. Bonne semaine à toutes et à tous.